Ils sont face à face depuis plus d'un an. Au début, quelques écologistes venus manifester contre le projet de barrage. Mais avec l'installation à temps plein des anti-barrages, les tensions sont devenues plus fréquentes. Sur ces images, les CRS vont tenter de les déloger à coups de grenades assourdissantes. Écoutez, moi je suis assigné au tribunal. Attendez, c'est quoi ce... Blessant à la main, une jeune manifestante. Mais c'est depuis un mois que la tension est montée d'un cran, avec l'arrivée des engins terrassiers qui doivent détruire définitivement la zone. Des confrontations avec les CRS, de plus en plus violentes. Jusqu'à ce samedi, 16h, avec l'arrivée dans le cortège d'opposants cagoulés, armés de pierres et de cocktails Molotov. Moi, je suis une écolo de la première heure et c'est pas nos méthodes. Tout a dégénéré très vite. C'est pendant ces affrontements vers 2h du matin que Rémi Fraisse aurait trouvé la mort.